Il faut que je trouve un refuge. Je n'aurais pas dû douter de toi, papa. Je n'étais pas là quand tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée. Tout le monde saura que tu avais raison depuis le début. Que tout ceci était réel. Que tu n'étais pas fou. Je vais le prouver, papa. Je te le promets. Lara, dépêche-toi. Jonah t'attend. Jonah. Jonah doit être là-bas, quelque part. Extraordinaire. La source divine. Elle est au cœur de la cité antique, enfouie sous la glace. Alors ne perdons pas de temps. Je préviens les équipes de forage et j'organise le transport. Nos hommes ont rencontré les immortels dans les archives. Ça ne va pas être facile, petit frère. La voie sainte est un chemin pavé d'embûches. Les hommes sont-ils conscients de ce qui les attend ? Non. Mais ils sont entraînés au combat et prêts à mourir pour la cause. C'est tout ce qu'on leur demande. Constantin, maintenant que nous sommes proches de la fin... Mais non, nous n'en sommes qu'au début. J'ai peur que nous ne soyons que des marionnettes. Et si les Trinitaires ne te laissaient pas garder la source, il faut qu'on soit prêts. Non ! Tu dois garder la foi. Je n'ai pas été choisi par les Trinitaires. Une fois que j'aurai récupéré la source, tout ça ne sera plus un problème. Je serai à la tête de l'armée immortelle de Dieu. Et toi... Constantin, le prisonnier est prêt, on vous attend pour l'interrogatoire. Je me mets en route.
traces. Ils sont partout. Laisse ton arme, c'est qu'un cerf. La gâchette qui me démange, désolé. T'avais bougé, t'as réagi. J'aurais fait la même chose. Tout a l'air... Le camion était trop lourd. Le pont s'est effondré. Tout se casse la gueule ici. C'est pas possible. Il faut pas qu'on prévienne ? Pas la peine. Tout le monde est en train de se préparer pour la prochaine phase. Ok, on a enfin trouvé ce qu'on est venu chercher ? C'est pas sûr. Constantin a juste donné l'ordre à tout le monde de se préparer. Thank you.
première opération sur le terrain pour les Trinitaires ? Non, j'ai participé au nettoyage de l'île. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pont s'est effondré. Il va falloir qu'on expédie le reste de la cargaison par les airs. J'espère qu'ils ont trouvé quelque chose là-haut. J'en peux plus de cet endroit. Patience. Si tout se passe bien, après on pourra aller où on veut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Le pont s'est effondré. Il va falloir qu'on expédie le reste de la cargaison par les airs. J'espère qu'ils ont trouvé quelque chose là-haut. J'en peux plus de ces endroits. Patience. Si tout se passe bien, après on pourra aller où on veut. Météo. Quoi là-bas? Je sais pas trop. J'ai entendu des bribes de transmission à propos d'Anna qui voudrait accéder au dôme. Peut-être qu'ils ont une idée de comment le traduire? J'en sais rien, mais on a reçu l'ordre de plier bagages. Les choses vont s'accélérer maintenant. Ah!
la tête! Attention! On va balayer la zone. Une vieille plaque soviétique. Un air dans le coin. C'est un sceau pour sceller les lettres des Trinitaires. Presque plus personne n'utilise ça.
nouveaux ordres. On se prépare à passer à la suite. On dirait bien. Les équipes de démolition sont... Pas du tout à tomber sur elle. Elle a réussi à faire s'effondrer le tombeau tout entier sur nous. Un vrai boulet, celle-là. Parlant de Croft. Un pendentif. Non, c'est un reliquaire moderne. Il contient un minuscule os humain. Saint Pérégrin, saint patron des malades incurables. Nous sommes à l'aube d'un monde nouveau. La source divine a été localisée. Croft, bien que toujours vivante, a été mise hors d'état de nuire. Mais Anna faiblit d'heure en heure. Sa voix, cette voix qui m'a guidé toute ma vie, perd en assurance. Je lui ai demandé si elle se souvenait de cette nuit. La nuit où Dieu a gravé sa marque dans mes mains. La nuit où il m'a choisi. Elle a dit que oui. Puis elle a souri et m'a dit que nous connaîtrions d'autres nuits comme celle-là, quand notre mission serait accomplie. Je reste fort. Pour elle. Nous trouverons la source divine dans la cité antique. Je sauverai ma sœur. Et ensemble, nous sauverons ce monde de lui-même. Thank you.
Une cartouche de fusil. Mais elle a quelque chose de spécial. Il y a une inscription en latin en bout. Tuez-les tous, tu reconnaîtras les siens. Je refuse de mourir dans cette vallée perdue. Ma foi est forte. Ma volonté aussi. Même si mon esprit continue à divaguer. Je nous revois jeunes, Constantin et moi. Jeunes. C'était un enfant difficile. Toujours à douter et à poser des questions. Il avait peur de ce que l'avenir lui réservait. Peur de ne jamais trouver sa place. La nuit où j'ai taillé ses marques dans ses mains. La nuit où j'ai murmuré à son oreille. Je l'ai créé. Je l'ai sauvé. Il a cru que c'était l'œuvre de Dieu, exactement comme je l'espérais. Maintenant, c'est à lui de me sauver. Et si finalement il n'y arrive pas, alors je me sauverai toute seule. Je sais pas si tu m'entends, Lara. Mais je perds pas espoir. Il se passe quelque chose là-bas. J'ai grimpé à un arbre pour avoir une meilleure vue de la vallée en dessous. Je vois de vieux bâtiments et des gens qui savent faire. On dirait qu'ils sont des hélicos et qu'ils font venir tout un tas de matériel. C'est forcément les Trinitaires. Je vois que ça. Faut croire qu'ils nous ont coiffés au poteau finalement, hein. Ça fait plusieurs heures que je les observe. J'étudie leur patrouille. Je pense pouvoir passer au travers, en agissant au bon moment. Lara, t'as toujours été meilleure que moi à ce genre de choses. Si t'es là-bas, et que tu m'entends, je t'en prie, fais attention. Volonté de Dieu! Si vous comptez me faire un serment. Jonah! Thank you.
Votre loyauté envers elle est totale. Je vous admire. Vraiment. Mais vous avez atteint mon seuil de tolérance. Dites-moi ce que vous savez. Maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Ne l'écoute pas. Je faisais seulement ce que je croyais être juste. Ratissez les cellules. Tuez-les tous. Désolé, j'aurais dû le tuer. Mais il avait pas d'arme, j'ai pas pu. Chut, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je suis tellement désolée de t'avoir entraîné dans tout ça. Je croyais que je pouvais le faire. Ils arrivent. Ils nous encerclent. Cette fois, c'est moi qui veille sur toi. Il va mourir. On n'a pas beaucoup de temps. Barricadez la porte. Toutes les unités, répondez. Il faut qu'on s'occupe d'elle. On sera bientôt en position. Je ne vois pas encore la cible. Je sais que tu aimes lire les revues archéologiques maintenant, mais je t'en prie, si tu lis des choses déplaisantes à mon sujet, n'y prête pas attention. Ces gens ne comprennent pas la portée de mes recherches. Elles les effraient même peut-être. Mais l'ignorance de ces imbéciles ne m'atteint pas, et elle ne doit pas t'atteindre non plus. Je t'expliquerai tout le moment venu, ma chérie. Ces gens qui avaient peur... Est-ce que c'était les Trinitaires? Tu ne m'as jamais dit. J'imagine que ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Ils m'ont retrouvé. Je vais devoir les affronter. Débarrasse. Confirmé. Cible verrouillée. Elle est là. Suivez-moi cette fille.
contact. Ils font un tir de couverture. Je vais les laisser venir à moi. Juste ici! Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a plus en visuel! Sûrement à cause de l'eau! Ouvrez l'œil! On ne pourra pas rester là-dessous bien longtemps. Je suis cerné. Les ordres sont simples. Je ne crois pas que ça
pas ça, non. Jonah. Jonah. Lara. Je suis là. Lara. Faut que tu m'écoutes. Essaie de ne pas bouger. Si. Si je m'en sors pas vivant. Ne dis pas ça. Attends, écoute. Il faut que t'arrêtes de t'en vouloir. On est tous responsables de nos choix. Il s'en sortira pas. Non, il peut pas mourir. Nous pouvons l'aider. Comment ? Nous devons l'emmener à l'observatoire, auprès de Jacob. Jacob est le seul à pouvoir sauver Jonah maintenant. On doit le ramener à l'observatoire. Jacob, il va mourir. Je vais m'occuper de lui. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Il faut maintenir la pression. Préparez-le. Jacob, vous étiez mourant. Est-ce que c'est vous ? Dites-le-moi. Le prophète immortel. Je peux être blessé. Je ressens la douleur. Je suis humain. Sauf que je ne meurs pas. Et la source divine ? Je l'ai trouvée il y a fort longtemps. Elle existe. Et son pouvoir est prodigieux. Mais elle n'a rien de divin. Alors vous leur mentez ? Depuis des générations ? Je n'en suis pas fier. Mais c'était pour les protéger. J'ai déjà utilisé la source pour rendre mes soldats immortels. Mais c'était une terrible erreur. Les soldats que j'ai croisés aux archives. Lorsque l'ennemi a pris Kitej d'assaut, les immortels ont recouvert la cité avec la glace issue de la montagne. Des milliers de gens ont péri. Ils ont commis cette atrocité pour garder le pouvoir. Les Trinitaires en feront autant. Mais à bien plus grande échelle. Ça ne vous ressemble pas. L'homme que j'ai appris à connaître ne ferait jamais de mal aux siens. Ouvrez les yeux. Tout ce qui est arrivé est ma faute. Et ça doit s'arrêter une fois pour toutes. Père ! Il passe à l'action ! Ils vont utiliser la force pour percer la glace. Il n'y a plus aucun espoir. Non. On va pas rester les bras croisés. Jacob, sur le plan, on voyait un passage secret qui mène à la cité. Le chemin des immortels. C'est bien trop dangereux. On n'a pas le temps de tergiverser. Vous savez que je peux pas baisser les bras. Si nous pouvions les ralentir, ça nous laisserait une petite chance. Je vais réunir les hommes et nous les attaquerons sur la glace. Pars sur le champ. Ouvre la marche.
vous verrez que l'entrée est située en dessous de l'observatoire. Je ferai de mon mieux pour votre ami. Je dois faire une pause pour reprendre mon souffle. Cet endroit... Qui t'ai-je ? Jacob, les immortels. J'ai couru si longtemps et tellement vite que je n'ai même pas pris le temps de m'arrêter pour assimiler le fait que tout ça est réel. Une partie de moi n'arrive toujours pas à y croire. Mais je sais que Jacob disait la vérité. La chose qui a fait de lui ce qu'il est se trouve ici. Et je compte bien la trouver avant les Trinitaires. J'aimerais tellement que papa soit là pour partager cette découverte avec lui.